Lieu de vie des moins de 3 ans, les crèches municipales parisiennes s'engagent pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens et aux plastiques. Cela passe par l'achat de fournitures et d'équipements mieux adaptés, comme des biberons en verre, de la vaisselle et des jouets sans plastique, ainsi que des produits d'entretien avec moins de composants chimiques. Rencontre avec Laurence Pradérol-Lemouzy, responsable de la mission marché de la Direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris. Depuis 2017, je suis la référente en santé environnementale. Donc particulièrement attachée à ces questions de perturbateurs endocriniens et donc de la place du plastique dans nos structures de petite enfance. La genèse proprement dite du projet a pris racine en septembre 2018, la signature par la ville de la charte des territoires sans perturbateurs endocriniens. La ville s'est engagée, la maire a signé cette charte. La démarche, elle a pris corps et elle a pris la forme d'une refonte, d'une révision de tous les contrats, de tous les contrats de fourniture et de services au fur et à mesure de la date de leur renouvellement. On est passé de gobelets en plastique pour les peintures à des gobelets en bois avec des contenants en bambou et non plus en plastique, les pinceaux avec des manches en bois et non pas en plastique. Donc ça a été le premier marché. On avait avant un seul et unique marché vaisselle et ustensiles de cuisine, confondant tout. Et on avait pratiquement que de la vaisselle en plastique et presque tous les articles d'ustensiles de cuisine. On parle de fouets, de plateaux de découpe, de plateaux de service, des assiettes, évidemment tous les couverts, tous les plats de service, les brocs à eau, les becs doseurs. Tous les ustensiles pratiquement étaient en plastique. On s'est rendu compte que après l'analyse globale de tout notre fournisseur, on trouvait des produits de substitution assez facilement sur la vaisselle. Donc il existait encore des gobelets, des petits gobelets en verre, assiettes en verre ou en inox ou en porcelaine, les couverts, des saladiers, des raviers. Tout ça existait parfaitement bien. Tout ce qui était vaisselle existait en matière hors plastique. Donc pas de bois en crèche, parce qu'en cuisine collective, c'est interdit. La vaisselle, très vite, a été actée comme étant une évolution qui allait être mise en œuvre assez facilement, si on peut appeler ça facile. Donc on a scindé le marché en deux, on a fait deux contrats distincts, vraiment pour faire un marché de vaisselle sans plastique, et aujourd'hui, il n'y a plus de plastique dans les marchés de vaisselle. Et sur les ustensiles de cuisine, on a déjà fait évoluer pas mal de produits, donc par exemple, ce qui a changé, les planches à découper, elles sont en verre maintenant, en verre un peu alvéolé. Tous les moules sont en fer ou en inox, les moules à gâteau, plus de moules en silicone. Les appareils à douille, le matériel, les fouets et autres spatules sont 100% inox, puisqu'on a trouvé des produits qui permettaient d'avoir la lame ou les tiges en inox et le manche aussi en inox, ça existe. Donc on a passé tous ces produits-là. Nous n'avons plus de vaisselle ou de produits jetables. Parce que le premier plastique, c'est celui qui est jeté immédiatement. Donc les gobelets, tout ça est en bambou, en fibre naturelle, enfin en bambou en l'occurrence, ou en fécule de maïs. Donc plus de plastique, et que tous les produits, la vaisselle notamment, mais pas que, hein, je pense aux bavoirs jetables, aux draps d'examen jetables, tous ces produits-là ont été supprimés depuis 2014. Deux, trois bêtes noires qui me posent, enfin, deux, trois articles, objets qui me posent question. Donc effectivement, alors, côté ludique, les ballons, les poupées. Le ballon, je ne trouve pas de solution. Enfin, le ballon en plastique, un ballon léger qui abîme pas les enfants, qui casse pas des vitres, il y en a pas. Et un ballon qu'on puisse laver. On ne peut pas, en crèche, proposer un produit qui ne soit pas lavable. Donc le ballon, la poupée, une vraie poupée qui ressemble à une poupée. Et pas un substitut de baigneur qui n'en est pas un. Moi, en termes pédagogiques, me pose question. Ce sont les deux jouets, types de jouets les plus compliqués à faire passer sans plastique.